Bonjour les amis, on s'éloigne de Paris. Nous sommes à 30 km précisément à l'ouest de Paris, à Naufle-le-Château. On va à la rencontre de Jérémy. Jérémy dirige l'agence La Forêt depuis maintenant une douzaine d'années. Et vous allez voir, eh bien, il a une certaine expertise et une expérience terrain assez incroyable. Il a mis en place une stratégie spécifique à son agence. Bah, ce que je vous propose, c'est d'aller à sa rencontre directement et puis de lui poser les bonnes questions. Venez, suivez-moi. Un sujet dont on entend évidemment parler quotidiennement dans les métiers de transaction principalement, c'est la place des réseaux sociaux, la place du digital, fréquence, contenu, support, à quel moment je publie, etc. C'est important. Est-ce que tu es organisé par rapport à ça? Est-ce que tu as une vision particulière? Est-ce que tu as mis en place une stratégie? Je sais, ça fait beaucoup de questions, mais du coup, comment tu t'y prends concrètement? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une obligation de toute façon de se porter sur les réseaux sociaux, de se porter sur tout ce qui est support vitrine digitale afin de se faire connaître. Donc, on va aller, que ça soit sur les vitrines à travers nos agences ou justement on travaille avec des vitrines multimédia de telle sorte à pouvoir donner une envie de se différencier également de nos confrères. Et surtout, aujourd'hui, on le voit vis-à-vis de nos clients, ils ont besoin de visuels. Ils ont besoin de visuels, ils ont besoin d'informations. Donc, on est bien évidemment présent sur les réseaux sociaux. On a du mal, comme tout agent immobilier un peu à l'ancienne, mais on s'y met parce que c'est une obligation de le faire. Donc, on est dessus, on commence à travailler de plus en plus également sur des visuels en ce qui concerne les biens que nous avons à la vente sur le marché, mais également ce que nous vendons. Bref, aujourd'hui, c'est nécessaire de se mettre de plus en plus sur cette activité. Ouais, donc tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes présent sur le terrain, quotidiennement, physiquement, pour aller à la rencontre des prospects, des clients. Mais il y a aussi tout l'aspect digital où vous apparaissez d'une autre forme finalement. C'est exactement ça, d'être en première page sur Google, demander des avis à ses clients, ouais. De telle sorte à pouvoir être bien positionné, c'est nécessaire dans notre activité. Là, tu t'entoures de professionnels par rapport à ça, tu vas chercher de la compétence. Ouais. Ça arrive, je m'y mets petit à petit et ça arrive. Je fais appel là, à partir du mois de septembre, en collaboration et avec quelques confrères, on fait appel justement à une personne dédiée à cette activité, de telle sorte à pouvoir nous développer notre activité là-dessus. Ah, ça c'est top. Ok.